Le prince Harry n'a pas pu résister à exprimer sa colère après que le palais ait refusé ses demandes et celles de Meghan Markle pour un rôle de premier plan au jubilé de platine, selon un nouveau livre. L'auteur royal Tom Bower a affirmé que le duc et la duchesse de Sussex voulaient apparaître aux côtés de la reine sur le balcon du palais de Buckingham pendant les célébrations. Selon le biographe, Harry a demandé aux conseillers résistants de la reine et lorsque cela a échoué, il a rendu visite au monarque en route pour les Jeux Invictus à La Haye en avril. Cependant, M. Bower a déclaré que la question des Sussex sortant sur le balcon du palais restait non résolue. Écrivant dans Revenge, Meghan, Harry and the War Between the Windsor, il a déclaré, le danger d'autoriser la réunion a fait surface 6 jours plus tard. Dans l'extrait de son nouveau livre dans The Times, M. Bower a déclaré que Harry et Meghan se sont mélangés sans faute avec des athlètes au jeu. Il a ajouté, mais comme les événements ultérieurs ont semblé le montrer, leur fureur était que le palais ait refusé toutes leurs demandes pour un rôle de premier plan au jubilé en échange du retour en Grande-Bretagne avec leurs enfants. Harry n'a pas pu s'empêcher d'exprimer sa colère à un journaliste américain de NBC TV. Dans l'interview pour l'émission Today de NBC, le duc a déclenché une réaction violente pour avoir déclaré qu'il voulait s'assurer que le monarque était protégé et avait les bonnes personnes autour d'elle. Monsieur Bower a déclaré, au cours de ces quelques minutes à la télévision, Harry avait démontré le danger de son apparition aux célébrations du jubilé. Tout tourné autour de lui et de Meghan, Harry a déclaré à propos de sa rencontre avec la reine, être avec elle, c'était génial. C'était tellement agréable de la voir. Elle est en pleine forme, elle a toujours un si bon sens de l'humour avec moi et je m'assure juste qu'elle est protégée et qu'elle a les bonnes personnes autour d'elle. Les Sussex se sont rendus en Grande-Bretagne pour le week-end férié célébrant le jubilé de platine de la reine en juin. C'était la première fois qu'ils retournaient au Royaume-Uni avec leurs enfants Archie et Lily Bay depuis le Mexit. Cependant, le couple a gardé un profil bas et était absent de la plupart des festivités. La reine a limité à l'apparition sur le balcon du palais pendant Trooping the Colour aux seuls membres de la famille royale en activité. Harry et Meghan sont sortis en public avec les Windsor pour la première fois en 2 ans pour le service d'action de grâce à la cathédrale Saint-Paul. Mais ils seraient rentrés en Californie avant la fin de l'événement final, les Sussex vivent à Montecito après avoir quitté leur fonction royale en mars 2020. Express.co.uk a contacté le palais de Buckingham et les représentants des Sussex pour commentaires.